trafic de bois de rose, rencontre avec des membres du corps diplomatique. Les membres de la commission d'enquête parlementaire du Congrès de la Transition sur le bois de rose ont rencontré cette semaine les membres du corps diplomatique pour parler de leur mission. Selon Jean-Joachim Lédy, président de cette commission, sa délégation a sollicité l'appui de la communauté internationale pour mener à bien leur mission d'investigation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire. Le président de cette commission d'enquête parlementaire d'avancer que le dossier divulgué par le Tangalamène Patrick Zacharias a été consulté par les membres de la dite commission. Originaire de Bricaville, Jean-Joachim Lédy a saisi l'occasion pour réclamer la libération de ce Tangalamène détenu provisoirement pour avoir dénoncé l'implication d'un milliardaire malgache dans une affaire d'expédition illicite de bois de rose.